suis dit, oups, je crois que c'était pas là où je voulais appuyer. Bon bah j'ai subventionné toutes les usines de la liste. Hein. Économie de munitions, procession de rapport annuel. Ouais, j'ai quand même des usines qui s'agrandissent et qui sont pas mal grandes. Hein. Ouais, c'est... Je pense que ça me coûte cher. C'est pas mal, c'est pas mal. Heureusement que j'ai quelques millions de côté. Hein? Heureusement, heureusement. Parce que là, ça coûte cher. J'ai inventé le téléphone de Bell & Gray. On va augmenter la pression fiscale. J'aime augmenter la pression fiscale. C'est une réponse facile, mais c'est ma réponse. Quand on perd de l'argent, on augmente la pression fiscale. Bon, où est-ce qu'on en est dans ces... Ah oui, non, enfin... Les Britanniques, là, oui, 3000 contre 0. Faut peut-être pas déconner non plus. Hein. 1724... Ah! On vient de voir en direct les Russes me dépasser. Ah là 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 là. Il me faut plus de prestige. Beaucoup plus de prestige. Beaucoup, 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 beaucoup plus de prestige. C'est pas facile. C'est vrai que ma technique de jeu est pas forcément ultra optimale pour créer du prestige tout le temps. Donc du coup... Hop, on va faire la gestion des risques. Bon, où est-ce qu'on en... Hop. Pff, dégagez les royalistes. J'ai pas envie de vous avoir. Ouais, je voudrais surtout que ça soit... Mais pourquoi je suis cinquième? J'aime pas être cinquième. Qu'est-ce que je peux faire avec l'Angleterre? On est quoi? Alors, où en est la Prusse dans tout ça? Bien, super! Améliorer les relations avec la Prusse. Pas mal, pas mal. Je fais de la recherche de gestion des risques. Les libéraux sont en train de se faire éclater au Sénat. Les Prusses sont en train de défoncer l'Autriche. En guerre contre l'Autriche alliée à l'Espagne. Ça, c'est pas cool, lié à l'Espagne. Parce que l'Espagne m'encercle de l'autre côté. Et c'est parfait, j'ai inventé la gestion des risques en même temps. Bateau à vapeur en acier, ravitaillement en mer, investissement industriel dans la distribution. Théorie néoclastique, stratégie de gestion. Il me reste plus grand... Ah, réseau ferroviaire, enfin je vais pouvoir le faire. Bon, en même temps, ça fait 10 000 ans que je peux le faire, 1880, mais j'ai pas regardé. Chut, j'ai pas. Non. 1898, voilà, ça fait pas longtemps que je peux le faire. Français, communistes se sont soulevés. D'accord. Paf dans ta tronche. Paf dans ta tronche. Hop. Eh bah, citadelle blindée. On va les paf dans ta tronchité. J'aime pas le fait qu'ils amènent beaucoup d'armées ici. Ça me plaît pas trop quand même. Hop.
Et ça veut dire qu'il va falloir que j'augmente mes armées moi aussi. Assez rapidement, je peux pas beaucoup les augmenter. J'ai, contrairement à ces autres clampins, j'ai pas des milliers de... Comment dire? Je n'ai pas des milliers de territoires où je peux créer des gens à chaque fois. Hop, là, j'augmente. Flamand français. Hop. Voilà. Donc, on attend le bateau à vapeur en acier. Ensuite, on va faire du chemin de fer. Ça m'ennuie que ces armées ne puissent pas bouger quand même. Je peux pas les dissoudre carrément ou quelque chose comme ça. D'accord. Ah, super. On démantèle. On démantèle. Ah, parfait, on a fait ça. Balance le réseau ferroviaire. Et là, on va balancer du militaire. Donc, des hussards, Charleville, Chalon, Nancy, Épinal, Rouen, Caen. Des gardes à Lille, Lens, Lille, Lens, Caen, Brest. Des sapeurs à Paris et à Moulins et à Paris. Des cuirassiers à Rennes et Amiens. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce qui monte? Les libéraux montent. Alors, qu'est-ce qu'on est au niveau des élections? Les royalistes redescendent pas mal pour les possibilistes. Ça, c'est bien, ça, c'est bien, ça, c'est bien. J'ai des libéraux anarchistes, c'est bizarre. Canon à tir rapide. 92% d'alphabétisme. Alors, c'est qui fait mon... Hyderabad, plan de rechange. C'est très bien, donc dans tout ça on a dû s'éclater à cause de ma... de mon démantèlement militaire. Hop, parfait, parfait, parfait. Bon, je suis amical avec qui dans tout ce bazar? Personne. D'accord. Équateur, équateur. Ok, en fait, il n'y a personne d'autre. Hein. Empire russe. Oui, mais Empire russe est une grande puissance, non? Oui. Ça réduit le problème. Pays-Bas aussi, tout ça aussi. Bon. Je perds 17 fortunes à la minute, mais c'est pas grave. Je suis en train de construire ma puissance militaire. Ah, comment ça, je suis plus copain avec des gens ici? Ah bah non, oui, j'ai plus mes... Je n'ai plus mes... comment? Mes armées sur place, donc je ne vois plus. Ha ha ha. Hop. Le réseau ferroviaire arrive. Et 1900 arrive aussi. Hop. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Hop, parfait. Un petit truc pour attendre 1900. Et je peux réformer. Et Mecklebourg me propose une alliance. Ça fait à peu près la 17ème fois qu'il me la propose depuis le début du truc, mais c'est pas grave. Bon, salaire minimum 6%, 5%, 1%. 1%, 16%, 1%, bon système de santé.
C'est parti. Normalement, j'ai des chemins de fer qui sont en train de se faire dans toute la France. Il m'a semblé voir un truc que je pouvais agrandir ici. Voilà. Agrandir le port de Carcassonne et je perds, mais c'est terrifiant. C'est vraiment terrifiant l'argent que je perds en ce moment. Extraction minière mécanisée, oui. Il va falloir que je m'en occupe. Oui, bien sûr, je participe aux deuxièmes Jeux Olympiques. Je sais pas où c'est, mais j'y participe. C'est un gouffre à argent en ce moment. Ah, 1914, hein. Il va falloir attendre un petit peu. 1919. Hop. Allez, on se dépêche. Vous allez voir que ça va coller quand même très très bien. Alors, on va faire de l'infiltration. Ah, mais c'est très bien tout ça. Taux de change déterminé par le marché, interventionnisme gouvernemental. Plein de trucs sympathiques qu'on peut faire. Ça, c'est très bien, ça, c'est très bien, ça, c'est très bien. Ordre sous pression. Organisation plus 1 de mes flottes. On arrive tout doucement, plus ou moins vers 100% de d'éducation. On va encore augmenter un petit peu la pression fiscale. Il a combien? 33%, 32%. Hop. 31%. 31,8%. Parfait, parfait, parfait. Kriegspiel. Danzig nous demande un accès militaire. Explosif à Cambrai, oui. Ce qui est pratique, c'est que la moitié du monde a accès militaire sur mon territoire. C'est ça qui est bien. Salut les Suisses. Bon, bah, je suis arrivé un petit peu trop tard. Là, il y a une guerre en cours. Hop, vu l'argent que j'ai, moi j'organise des expéditions. Hop, 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 hop. Non, j'en ai oublié la moitié. Fusion. Clic. Fusion. Hop. Donc, troisième, troisième, septième, cinquième. Ah super, il y a des élections qui ont commencé. Et ouais. Prestige colonial, point de population. D'accord, d'accord. Mission civilisatrice. Ah. Alors ça c'est bien parce que c'est en train de monter. Donc une fois que ça va être fait. Vivement protester, l'interventionnisme, ok, on va faire des ajustements. Ouais, libre-échange, efficacité administrative. Plus l'administration est efficace, plus la pression fiscale est efficace. Une alliance avec les États-Unis, c'est toujours pratique. Ça c'est bon, ça c'est bon. Destin manifeste, ça c'est bon.
créer une armée, je ne peux toujours pas aller jouer à créer des tanks, pourtant j'ai infiltration. J'ai infiltration active blindée. Je ne dois pas avoir d'usine de blindés encore. Oui, en même temps, vu qu'elle a une usine, ça met genre 700 jours à se construire. Hop. Et je perds des fortunes avec ces subventions d'usine. Vas-y, essaye. Hein. Tu finiras bien par y arriver. Bon. Il n'y a aucun dieu. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme usine qui coûte très cher? Toi, on va arrêter de te subventionner. On va t'agrandir surtout. Toi, on va arrêter de te subventionner, on va t'agrandir. Ok. Toi, on arrête de te subventionner. Toi aussi, toi aussi, toi aussi, toi aussi. On t'agrandit. On agrandit. On agrandit, on arrête de subventionner, on agrandit. On arrête de subventionner, on arrête de subventionner, on agrandit. On arrête de subventionner, on arrête, on arrête, on arrête, on arrête. Non, on continue. Voilà, donc. Partons du haut. On arrête. Hop, on arrête. Toi, on arrête. On t'agrandit. Toi, on arrête. Toi aussi, on t'agrandit. Toi, on arrête, on agrandit. On arrête de subventionner, on agrandit. On arrête de subventionner, on agrandit. On arrête de subventionner, on arrête de subventionner. Faut que j'arrête de répéter, d'arrêter. Hop, hop. Coûte cher les subventions, ça coûte cher, j'ai plus d'argent. Hop. Mais là, je suis en train de, à peu près, quand elle gagne plus de 10 000, de les agrandir à chaque fois. Ah bah oui, toi, je te subventionne à mort et t'as vu ce que tu gagnes. Enfin, faut peut-être pas rêver non plus au bout d'un moment. Vu ce que c'est en train de me coûter, toi, on arrête de te subventionner aussi. Hein. Et on t'agrandit. Hop. Je pense que j'aurais pu prendre directement le... arrêt de subvention à l'intégralité des usines de la liste. C'est un peu ce que je suis en train de faire quand même. Oui, enfin, 40, tu gagnes plus 40 000, tu gagnes plus 50 000. Je pense que ça sert à rien de te subventionner. Hein. Plus 20 000 non plus, toi non plus. toi tu rêves complètement. Eh bien parfait. Oui, enfin toi j'ai dû mentionner, mais bon. Parce que je suis gentil. Alors... Oui, oui. Non, bah, fermé. Bah, je vais pas t'ouvrir. Hein. Vu ce que ça pourrait m'engloutir en subvention, je ne vais pas t'ouvrir. Hein. Hop, armée attaque, parfait. Alors, ça, j'ai fait cette ligne. Et cette ligne, je l'ai faite. Hop. Voilà! Je me remets enfin à gagner de l'argent. Il y a des usines en faillite. Est-ce que je peux subventionner uniquement toutes les usines
en faillite. Et puis c'est pas grave, hein. Faire faillite, ça arrive aussi. Voilà. Bon, par contre, ce qui est pas cool, c'est qu'il y a des chômeurs. Il y a beaucoup de chômeurs en Provence, en Languedoc et en Champagne. Et ben, ils vont construire des nouvelles usines. Comme des grands, ils vont construire des usines. Ouh là là, il y a de la guerre ici, là. Ah bah, il n'y a plus de guerre ici, là.